Voici les particules promises par le docteur Pym. Bonne chance, Iron Man. Merci. Je vais en avoir besoin. Et donc, c'est quoi exactement Starboost ? Rejoins-moi à mon labo, petite. Tu verras par toi-même. Bonne chance, Tony. Merci, Nat. Tous les essais précédents se sont mal finis. Mais avec cet accélérateur miniature, j'ai peut-être une chance. Ça a l'air génial. Parce que ça l'est. Un projet de 1,4 milliard de dollars. Je vais peut-être prendre feu au décollage, mais je le ferai avec classe. Tous les systèmes sont opérationnels, monsieur. Cependant, une forte tempête se trouve sur votre trajectoire de vol. Super, toujours des complications. Bon, on peut plus attendre, Jarvis. Tony, j'ai chargé un peu de musique pour te donner la pêche. Oh non. T'inquiète pas, c'est pas la mienne. Allez, tu vas y arriver. Merci, petite. Bon. 3, 2, 1. Bon sang, ces répulseurs sont presque à sec. Avec un peu de chance, il n'y aura pas beaucoup de gardes dans le coin. Bon, voyons ce qu'on a là. Une petite minute. Ça n'a aucun sens. Une formule de régénération. Ça pourrait expliquer la grosse tête de Tarleton. Voilà sa source. Probablement un inhumain malchanceux. Ok, trouvons cette porte. Rien de plus facile. Je sauve cet inhumain. Plus de formules de régénération, plus d'adaptoïdes, et tout le monde est content.
Toc toc, y a quelqu'un ? Y a de la poussière spatiale partout. Doit pas y avoir beaucoup de passages par ici. Je vais pirater cette porte vite fait sans réveiller qui que ce soit. Ah oui, moi. Si ça n'a pas réveillé les gardes robotiques, rien ne le pourra. Une grande partie du courant ici est redirigée vers cette salle. On n'a pas réveillé les robots chiens de garde en forçant le sas. Ils sont peut-être là pour empêcher quelque chose de sortir, pas d'entrer. Voilà. Bingo. Oh non. C'est pas du tout inquiétant. Je le crois pas. Cap ? Dis-moi que t'es vivant. Steve ? Steve ? C'est pas vrai, t'es vivant ? Tony ? Yes ? C'est quoi tous ces trucs ? Où est-ce qu'on est ? Je te tiens, mon pote. Tony ? Tu me serres dans tes bras ? Ah non, je... Je voulais pas que tu tombes. Alors pourquoi tu me lâches pas ? Oh, c'est juste... qu'on pensait... Enfin, je pensais que... C'est bon de te revoir, Cap. Je comprends rien. Ouais, allez, viens. Il faut que tu sortes de là. On bouge. Mais attends. Et Tarleton ? Il est vivant ? Tarleton ? On s'en fiche, non ? Mais l'explosion, il était là. Il a survécu. Grâce à toi, apparemment. Et Monica, si on en croit les journalistes. Ça n'a aucun sens. C'est bon, je te tiens. L'évacuation. Tous ces gens. Ouais, on en reparlera plus tard. Tu peux marcher ? Ouais, ça va aller. Je vais bien. Allons-y. Voilà le cap que je connais. Allez. Bon. Quel est le plan ? On trouve une capsule de sauvetage et... on s'échappe. T'improvises, là, non ? Ouais. Je pensais pas survivre jusqu'ici, à vrai dire. Ouais. Tony, où sont les autres ?
Où est-ce qu'on est ? Oh, eh ben, dans l'espace. Oh. C'était pas une blague. Non. Wow, c'est comme le vélo, hein? On doit descendre. Prêt à sauter? Tony? Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Combien de temps j'ai? Eh ben, 5 ans. Mais t'as déjà fait bien pire. C'est comme une petite sieste pour toi. Je commence à croire que les gens préfèrent en glaçon. Ah, tu vois, tu fais déjà des blagues. Un peu nul, mais ça, c'est pas nouveau. Capitaine Rogers. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas nous quitter si vite? Monica, ça fait un bail. T'es pas très enthousiaste à l'idée d'utiliser du sang de super-héros pour remplacer les super-héros. C'est moi qui m'occupe des détails. Plus un geste maintenant. Attends une minute. George ne sait rien de tout ça. Et c'est très bien comme ça. Séquence d'autodestruction initiée. Oh oh. Je crois qu'on l'a mise en colère. Tony ! Je fais ce que je peux. C'est bon, allons-y. Quoi ? Wow, fais pas attention au robot tueur ! Dépêche-toi ! Ouvre cette porte ! J'essaie ! Je trouve un peu insistant pour un mort. Je vais devoir utiliser la force. J'aurais dû commencer par ça ! Saloperie est coincée. Donne-moi un coup de main. Prends l'autre côté. Évacuer la station immédiatement. On y est. Presque. Ils sont venus. On a de la compagnie. Pas le temps de se battre. En avant. Attention. Merde. Générateur de gravité artificielle désactivé. Attention au verre, Cap. Il supportera pas ton poids. Cap, on y est presque. Allez, allez. Venez, vite. Ok, laisse-moi un peu de temps. J'ai perdu du moteur. Tony. Allez, oui, oui, c'est pour une merde. Nouvelle, c'est con. On va pas mourir dans une boule de feu. Et la mauvaise ? Eh ben, on risque de s'étouffer avant. Au moins, on a une belle vue. C'est pas faux. Bon sang. On y était. Bon.
Puisqu'on va mourir quoi qu'il arrive, t'aurais... peut-être une dernière confession. Tes blagues, je les comprends jamais. Oh, je sais. J'ai lu ton journal intime. Pourquoi détruire le réacteur, Cap? Plein de gens sont morts. Il y avait quelque chose d'enterré, au fond de la baie. Une chose reliée au réacteur, qui remontait lentement vers la surface. Le séisme. Je devais réagir. La faille de San Andreas était prête à s'ouvrir. L'océan aurait englouti la ville, des millions de gens seraient morts. J'ai jamais douté de toi une seconde. Mais il fallait que je l'entende. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais qui voilà? Je vais toujours devoir vous sauver la mise? J'en attendais pas moins du dieu du tonnerre. Salut, Thor. Ravi de te voir, Captain. George? Cette idée était de toi. Stark était sur le point de tout nous prendre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je te faisais confiance. Je t'ai sauvé la vie. Tu peux contrôler des machines par la pensée. Réfléchis à toutes les... Tu m'as infecté avec son sang. Ça aurait pu me tuer. Mais tu es en vie. Rappelle-toi notre rêve, George. Comment as-tu osé m'infliger ça à moi, Monica? C'est moi qui t'ai rendu fort. Tu m'as volé tout espoir. Et maintenant, je vais te donner les mêmes chances que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que tu as fait? Je débarrasserai la Terre des super-pouvoirs. Même si je dois donner ma vie. George! Hé, salut, toi. Nat. C'est bon de te revoir. Écoute, si j'avais su que t'étais en vie, qui t'avait pris? C'était pas ta faute. Tarleton n'était même pas au courant pour moi. Quoi? Le EID? Le piège? Monica a engagé Taskmaster pour voler le cristal terrigène. Ces hommes ont amorcé les protocoles de sécurité pour mettre le Chimère en pilotage automatique. Mais ce qui s'est passé dans la baie, c'était inattendu. La signature thermique. C'est ce qui a causé les séismes qui ont détruit la ville. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Nadj, je me demande vraiment si j'avais pas tous ces pauvres gens. Non. C'était pas ta faute. Ce vaisseau n'était pas censé avoir décollé. J'aurais fait la même chose. T'as été piégé. Je le savais. Désolée. Viens, il faut vraiment que tu vois ça.
Ravi de vous revoir, Captain Rogers. Au nom de toute l'équipe, je peux vous dire que vous nous avez manqué. Merci, Jarvis. Je suis content d'être là. Depuis que le Chimère a failli s'écraser dans Manhattan, la situation a empiré. Je crains que l'AIM n'en profite pour intensifier les persécutions à l'encontre des Inhumains. Nous ne les laisserons pas faire. Le monde a besoin des Avengers, plus que jamais. Terminez l'analyse des schémas de Monsieur Stark afin pour cette mission.